On demande aux gens de participer autour du ponton, on met des bouteilles. Et on demandait aux gens qui passaient à cet endroit-là de mettre des mots dans les bouteilles sur le thème, qu'est-ce que ça veut dire existence. Hein. D'accord. C'est le texte. Et donc les textes sont là, les mots sont là, et donc ça c'est les mots qu'on a obtenus l'année dernière. Et ce que
vous avez dans la rampe, c'est les sons de la table. Cet espace-là, on a enregistré les sons. Et il y a un compositeur qui a fait une musique qui se développe tout le long de la rampe. Et les textes, il y a des philosophes, de Le Sartre, hein, et puis il y a des petits arrangements que j'ai faits à partir de l'idée de Sartre ou de D'accord. Ou autre. L'heure bleue, c'est ça, ça s'arrête là en fait. Ça s'arrête à ce nuage de mots. D'accord. Je le refais parce que j'ai pas. Ça, je bouge pas pour l'instant. Je remonte. Au revoir. Ok. Cette année, la façon d'alimenter ce nuage 2007, c'est d'envoyer des SMS en répondant à la question « Si tu n'existes pas, qui suis-je ?» L'idée, c'est de créer une offre collective, participative, sur une question en fait, qui interroge la relation à l'autre dans des ensembles, des grands ensembles urbains, comme les Olympiades, la date des Olympiades. Et c'est un projet de longue date, initié par Isabelle Monté, sur le vivre ensemble, l'exister ensemble. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est que le regard des gens est diffusable immédiatement et les gens peuvent situer leur réponse par rapport à l'ensemble des réponses des participants. Parce qu'au milieu se trouvent les mots les plus fréquemment cités, et à l'extérieur les mots les plus rares, et la distance entre les mots également est porteuse de sens sur les messages que les gens délivrent. On a appelé ça le Tag Cloud parce que c'est un système de prise de connaissance du contenu des blogs tels qu'on les retrouve sur Internet actuellement. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 2, le Web communautaire, le Web sémantique. C'est une façon de donner accès à l'information filtrée par les personnes qui font l'Internet. On envoie un SMS pour répondre à la question « Et si tu n'existes pas, qui suis-je ?» Et il est publié immédiatement et diffusé par le vidéoprojecteur. C'est participer ensemble pour faire exister une œuvre collective et une question qui concerne tout le monde. Et si tu n'existes pas, qui suis-je ? Voilà. Donc pour le moment, on a une quarantaine de participations. Ce que je fais ce soir, c'est que je montre les textes entiers et je passe du nuage 2006 au nuage 2007. Ça, c'est le nuage 2006. L'un des mots les plus fréquents, je, toi, nuit, bleu,
Thank you.